Aujourd'hui, j'ai pas pu voir Leroy. J'avais une visite de prévu au foyer de Sens de midi à 13h. Comment ça s'est passé la CRPC hier? Eh bien, nous avons obtenu le report en 5 minutes pour un renvoi en correctionnel, un procès, donc mon procès. C'est mon procès et le procès de mon petit garçon aussi, hein. Le procès de Sylvie Finger, moi la maman, pour des injures et outrages sur le juge Laurent Gébler, qui a délibérément enlevé mon enfant, fait enlever mon enfant le 30 mai 2018. Avec la juge Colette Lajoie, qui était d'abord sur ce dossier. Et je suis donc attaquée par la justice parallèle du parquet de Bordeaux, parce que je suis bien en face d'une justice parallèle. Entendons-nous bien, cela fait 13 ans, 13 longues années, que je n'ai pas accès à la justice, c'est-à-dire à la justice qu'on vous montre à tous, à la justice que certains auront pu connaître dans ce système. En tout cas, moi, je n'ai vu nulle part la justice. Je n'ai vu que de la corruption. Je n'ai vu que des faussaires. Je n'ai vu que des escrocs. Je n'ai vu que des gens qui sont dans la magistrature, mais qui n'appliquent pas le droit, qui ne travaillent pas avec le code pénal. Moi, j'ai affaire à la justice de l'ombre. Donc, si je suis encore en vie, eh bien, j'ai une convocation pour le 16 septembre au TGI de Sens pour, donc, mon procès, le procès de Leroy et probablement aussi le procès de Célis Tessirici, puisque je vous rappelle qu'avant Leroy, eh bien, ce sont ses sœurs et son frère qui ont donc subi le même sort, mais eux à la protection de l'enfance du Val-de-Marne. Alors, on va passer donc à ce report de CRPC. Donc, je refuse cette peine, hein. J'ai injurié, mais il faut aller dans le fond de cette affaire. Et pourquoi j'ai injurié? Ça fait 4 ans que le parquet de Bordeaux ment, fabrique, falsifie, écarte, occulte, entrave la vérité, utilise toutes sortes de procédures pour me persécuter et me renvoyer moi devant une barre, alors que je rappelle que j'ai déposé une plainte pour enlèvement de mineurs il y a 2 années et que très récemment, donc avec la précision, le 12 avril, j'ai reçu un avis de classement du parquet de Bordeaux du procureur X concernant cette plainte en gendarmerie pour enlèvement de mineurs. Donc la suite pour Leroy, c'est pas top top, hein. Et puis pour moi c'est pareil, hein, parce que vous vous doutez bien que ça explose complètement ma tête. Y a des moments où je suis prostré, je perds la parole, mais ma tête elle reste. Ma lucidité, elle demeure. Ma raison, elle reste. Ma morale, ma sensibilité et ma conscience aussi, parce que je suis consciente des dégâts et des séquelles qu'ils ont provoquées sur mon enfant. À savoir que en mai 2018 et toutes ces 3 premières années et demie auprès de sa maman, il n'a jamais subi autant de sévices, de maltraitances, de déplacements et de casses. Alors hier, en sortant du tribunal de Sens, eh bien, je suis allée m'asseoir à une terrasse, je me suis pris un chocolat chaud et j'ai décidé d'appeler le foyer de Leroy à Sens. Je travaille donc avec une chef de service au foyer qui est sur la situation de Leroy. Je travaille aussi avec une psychologue qui est sur la situation de Leroy.
Il y a bien entendu une référente au département de l'Yonne. Et bah, j'ai pas envie qu'elle reste cachée aujourd'hui, cette personne, et j'ai décidé de la désigner, de la nommer. Elle s'appelle Madame Mouton. Elle est au département de l'Yonne. Donc, elle s'est occupée du transfert de mon enfant avec Madame Lalanne de Bordeaux. Elle est sur la situation de mon enfant depuis donc son arrivée dans l'Yonne à Sens le 27 juillet. Et aujourd'hui, on est donc le 4 juin 2022. Donc ça va faire presque une année que mon enfant est dans ce département. Madame Mouton, ben, je ne sais pas qui c'est, j'ai que son nom. Hein, parce que c'est un fantôme, hein, comme tous ceux qui sont de ce système parallèle. Hein. Enfin, il y a celui que vous voyez et puis il y a celui que nous affrontons. Notamment celui que moi j'affronte. Hein. Donc ça, c'est pas du délire, c'est de la réalité. Donc cette Madame Mouton, il y a quelques semaines, eh bien, la visite de mon compagnon traînait depuis des mois, alors que la juge l'a accordée. La chef du foyer avec qui je travaille, avec qui jusque-là j'avais plutôt des bons liens, mais bon, je sens soit qu'elle a peur, soit qu'elle subit une très très grosse pression, cette personne, parce que... Elle m'a appelé avant l'audience avec la psychologue et là, ça a été 30 minutes de choc à ma tête où j'apprends que ben, mon enfant a des troubles hein, sévères hein, et liés à des abus sexuels. Hein. On ne peut plus cacher quoi, des symptômes de maltraitance habituelle et de violence sexuelle à répétition quand on voit le comportement de Leroy. Et que moi, je suis sa maman, je connais bien tout ça puisque je vous rappelle que des années en arrière, j'ai dû subir la même torture et j'ai été astreinte à la même mesure, c'est-à-dire mes enfants placés et soumise à les regarder, les détruire et les abuser sexuellement de partout. Donc j'ai dénoncé déjà une très très grosse branche du réseau du Val-de-Marne, plus le foyer de Sucy-en-Brie, où là c'est carrément un camp d'extermination. Donc vous voyez, devant, vous avez quelques enfants qui sont bien présentés. Le foyer, les propres, les nickels, et ils ont dépensé des millions d'euros pour ce foyer. Et bien derrière, vous avez un quota pour le réseau. Et c'est pas que dans ce foyer, c'est dans beaucoup de foyers. Et c'est dans beaucoup d'endroits, en fait, y compris à la crèche de Bordeaux, où il y avait 60% d'enfants de fonctionnaires et un quota. Alors, des demandeurs d'asile, de ceux qui arrivent de tout pays où il y a des guerres, et puis de tous les précaires de ce pays, ou les précarisés, ou les désignés défaillants parce qu'ils sont pauvres, ou bien entendu qui sont avec des conjoints violents, ou incestueux, et bien entendu la justice parallèle, hein, parce que c'est pas la vraie justice qui est devant celle qu'on montre à une partie, hein, et bien qui protège tous ces enfants. Ils les mettent volontairement dans ce réseau pourri de la mort. Donc bien entendu, c'est toute l'institution qui participe. Hein, donc pour que ce réseau fonctionne, il faut des services sociaux, il faut des associations, hein, parce que la justice travaille beaucoup avec des associations. Il faut des juges hein, en pagaille, mais ça on voit bien qu'il y en a en masse dans ce réseau, parce que c'est tout ce territoire qui est pourri, gangréné par ce réseau pédocriminel. Il faut des médecins, des services psychiatriques, des CMP, des écoles qui participent, qui courent bien entendu, parce que c'est les placés, donc c'est pas grave, on va pas s'attarder dessus, ils sont déjà cassés, puisque ici ils sont placés, c'est qu'ils sont cassés par les parents. Sauf que moi, Leroy, il n'était pas cassé par sa maman, Leroy, il était bien suivi. Hein, je l'ai fait suivre par la PMI, je leur ai autorisé à faire tous le lien, il devait être vu même par un médecin le lendemain, et bien aujourd'hui il est à Sens. Donc on va revenir avec Madame Mouton, hein. Excusez-moi si je vais d'un sujet à un autre, mais aujourd'hui ma tête elle est très très lourde quoi, elle est très 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 lourde, très lourde, très lourde, parce que je pense tout le temps à mon petit garçon. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il est? Où est-ce qu'on l'emmène? Qu'est-ce qu'on lui fait? Ouais, qu'est-ce qu'on lui fait? Mais ça, j'ai pas besoin de me l'imaginer. Je le sais. Quand on pense que Madame la juge Guerrier a écrit dans son jugement que Leroy était un enfant sexualisé,
Donc, si vous comprenez, mur et à une sexualité. Avec combien d'adultes, ça ils me le disent pas. Voilà le projet pour Leroy. Le sexualiser. Leur apprendre la sexualité. Leur faire aimer la sexualité. Parce que c'est normal, un enfant, d'avoir une sexualité. Où est la norme? Moi, j'ai une conscience. On a dépassé l'abject, l'immonde, l'atroce, l'innommable, l'insupportable, l'insoutenable. La sexualité des enfants. Ouais. Alors, cette Madame Mouton qui a été pendant des mois sur la situation de mon enfant, j'ai pas un courrier de sa main. Elle m'a jamais téléphoné. Elle a jamais d'ailleurs daigné me rappeler quand j'ai laissé des messages à son secrétariat. Je m'attendais à la voir à l'audience le 17 mai dernier, mais non. Elle a été mutée juste avant. Donc, quand je me suis retournée pour saluer les personnes de l'aide sociale à l'enfance qui étaient à l'audience, elle est arrivée précipitamment avec son petit dossier sous le bras. Et elle m'a dit, bah non, c'est pas Madame Mouton, c'est moi maintenant qui m'occupe de la situation de Leroy. Madame Mouton, justice parallèle, service social parallèle, protection de l'enfance parallèle, Madame Mouton, elle n'est plus sur la situation. Ah oui, je comprends bien, hein. Madame Mouton, elle a foutu mon enfant en danger partout. Dès son arrivée dans Lyon, quelques semaines après, ils m'ont parlé des petites colonies. Ah, il adore l'équitation, il adore les chevaux. D'ailleurs, pour soigner tous ces troubles, hein, tout ce qu'ils ont à proposer depuis bientôt un an, c'est une seule psychomotricienne qui le prend en charge à l'extérieur du foyer. Est-ce que j'ai déjà même eu un échange avec cette psychomotricienne? Un nom même? Rien. Il n'y a pas de nom. Alors, il y a un CMP, bien sûr, derrière tout ça aussi. Donc, il m'a été dit par la psychologue de ce foyer, à son arrivée dans Lyon, qu'ils allaient prendre un rendez-vous avec le CMP. Donc, je vous rappelle qu'il est arrivé dans Lyon le 27 juillet et qu'il a été vu seulement fin novembre par un docteur pédopsychiatre du CMP de Sens, le docteur Valerio. Alors, ce médecin, sans même m'avoir rencontré et avoir entendu la vraie histoire et le vrai parcours de Leroy, elle a tout de suite proposé une orientation ITEP et des médicaments. Bah oui. Là encore, je revis les choses, la même chose qu'avec Stacy dans le Val-de-Marne, qui a eu un parcours de casse, mais inimaginable. La psychiatriser pour pouvoir l'utiliser, l'abuser et même la programmer. Alors, il n'y a plus de Madame Mouton. La chef avec qui je travaillais bien sur le foyer, que j'ai vu à l'audience et qui m'a appelé une trentaine de minutes avant le placement avec la psychologue pour me déballer des choses, eh bien, elle était en vacances il y a quelques jours. Eh bien, mardi, mercredi, j'ai tenté de la joindre, jeudi, au foyer de Sens. Alors qu'on devait échanger, elle et moi, elle me l'avait dit à l'audience, devant témoin, je vous appelle, Madame Effinger, dès que je reçois le jugement, on fait le point et on voit comment on met en place tout ça. J'ai bien sûr fait remonter qu'il y avait un très très gros problème avec la TISF qui était sous les ordres de Madame Mouton, qui a un comportement étrange pendant les visites et qui passe son temps à nous manipuler et à mettre pratiquement la main sur la bouche de Leroy pour pas qu'il parle, voire même à lui souffler toutes les réponses. Et je constate qu'elle est partout autour de Leroy, alors qu'elle est détachée seulement, d'après ce qu'elle m'a dit il y a quelques mois, pour venir aux visites sur le foyer, sauf qu'elle passe tout son temps sur le foyer et qu'elle était même sur un des lieux d'accueil, gîte, où Leroy a été envoyé très récemment. Elle me l'a dit, hein, pendant la visite. J'étais d'ailleurs très étonné.
Mais bon, de toute façon, il n'y a plus rien qui m'étonne. Hein. Ça fait 13 ans que je le vis. Non, il n'y a plus rien qui m'étonne, sauf que j'ai les yeux super ouverts et que ils ont beau me raconter toutes les conneries qu'ils veulent et me mentir et tenter de me balader. Ils s'en mêlent tous les pinceaux tout le temps. Ils mentent tout le temps. Je les coince tout le temps. Je les enregistre tout le temps. Est-ce qu'ils s'en rendent compte, tous ces gens? Que j'ai tellement de preuves de leur manipulation, de leur mensonge, de leur promenade. Une longue et lente et lourde promenade pour Leroy, surtout. Parce que moi j'ai 49 ans et moi je sais me défendre. Qui s'attaque à ma vie, je peux me défendre. Mais mon petit enfant de 3 ans et demi, puis 4 ans, puis 5 ans, puis 6 ans, puis 7 ans, puis 7 ans et demi, puis 4 ans de son calvaire, est-ce que lui peut se défendre à chaque fois qu'on l'agresse, à chaque fois qu'on le tripote, à chaque fois qu'on le frappe? Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'on vit, nous les parents d'enfants placés qui avons des enfants dans le réseau, un réseau et la protection de l'enfance qui a aussi son réseau parallèle, comme dans la justice, comme dans les services médicaux hospitaliers. De tout partout, vous avez ce que vous voyez devant et vous avez ce que vous voyez derrière. Bien moi, je suis devant et derrière et dedans et je vois ce qu'il y a derrière. Et c'est percutant. Ça peut éclater une tête d'un être humain. Surtout, une mère qui aime ses enfants, son enfant, mon petit garçon Leroy, mon petit bébé, tout mon fils. Alors il n'y a plus de Madame Mouton, la chef du foyer avec qui je travaillais, Madame Marco, ils viennent de nouveau de la mettre en vacances, je l'ai appris hier matin. On m'a passé un autre chef de service, je ne me rappelle plus de son nom. Et j'ai fait remonter l'état de mon fils, que Madame Marco m'avait dit en sortant d'audience qu'elle allait enlever la TISF qui pose problème, qui plus est dans un placard de 10 mètres carrés dans ce foyer à Sens, où nous n'avons ni intimité, ni place, ni espace. Donc Leroy, avec des troubles de comportement, une hyperactivité, une grande violence, eh bien c'est 60 minutes avec une table et quatre chaises et juste de l'espace pour faire le tour de la table. Et chaque fois qu'il se lève, il fout tout en l'air dans le bureau. Et il ne peut pas parler. J'ai donc demandé à ce qu'il déplace cette TISF et Madame la chef Marco m'a dit qu'elle allait la faire déplacer. Eh bien, le samedi d'après l'audience, donc samedi dernier, je me suis retrouvée dans ce foyer avec Didier, Leroy et de nouveau cette TISF. Donc c'était la première visite avec Didier. Alors Madame Mouton a aussi bloqué pendant plusieurs mois la validation des visites de mon compagnon Didier. Mais des visites qui se passaient très bien. Quatre visites à Bordeaux où Leroy a tout de suite eu une grande complicité avec Didier. Beaucoup d'amour pour Didier. Et aller tout le temps vers Didier. Alors, est-ce que Didier représentait un danger pour Madame Mouton et toutes ces personnes qui veulent utiliser mon enfant? Probablement sûr même, puisqu'ils ont donc freiné pendant plusieurs mois les visites de Didier. Les visites de Didier ont commencé la semaine dernière et nous avons sollicité la juge le 3 janvier à Auxerre. Donc, du 3 janvier jusque début juin, ils ont déplacé mon enfant à tout va. Où? Eh bien, la référente donc, de Leroy qui vient, avec qui j'ai, ma foi, pas trop, très peu de contact, parce qu'elle me sollicite que pour signer une colonie, et j'ai d'ailleurs signé qu'une seule colonie, et elle m'a d'ailleurs donné qu'une seule adresse et qu'un seul nom de cette colonie. Toutes les autres, je n'ai pas le droit de savoir où les lieux où il est déplacé, je n'ai pas le droit de savoir où, ni qui encadre, ni qui est responsable, quelle ville,
Je vous rappelle que nous ne sommes pas dans un placement secret, que c'est une mesure d'assistance éducative parallèle, puisque il y a mise en réseau. J'ai aussi sollicité la psychologue, Madame Lefaou, avec qui je travaillais depuis l'arrivée de Leroy dans le département. Elle ne répond pas. Je lui ai envoyé il y a 2 jours ou 3 jours un mail avec un lien même de tous les symptômes des maltraitances habituelles et des violences sexuelles sur un enfant et de ce que ça déclenche derrière. Eh bien, Madame Lefaou non plus n'est pas disponible pour m'appeler maintenant. Donc, je travaille avec des services sociaux parallèles, un tribunal, des tribunaux, parce que c'est malheureusement pour moi depuis 13 ans, ben, plusieurs départements. Hein. Si vous avez suivi cette affaire depuis le début, ben, vous verrez que le point de départ, ça a été Créteil et partout ça a bloqué, sauf quelques départements qui n'ont pas trop m'attaqué parce que, ben, ils ont très très peur de l'éboulement, hein, parce que l'affaire Céline Tessier-Ritchie et l'affaire Leroy, eh bien, est dans un très 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 gros organigramme déjà du réseau Epstein, hein, merci à Revo Society qui a fait un travail acharné et incroyable pour mettre à jour tout ce réseau du pays. Revo qui m'a toujours soutenu. Donc, l'espèce de chef de service qui m'ont passé hier matin en remplacement de Madame Marco, donc avec qui je travaillais, qui était à l'audience et qui a été mis subitement en vacances, eh bien, il m'a dit que on ferait le point, moi et Madame Marco, à son retour. Et je vais être clair avec vous, je pense qu'elle ne va pas revenir. Hein. Ou alors, eh ben maintenant, il va falloir qu'elle montre son vrai visage, c'est-à-dire qu'elle enlève le masque de la bienveillance et d'une responsable qui fait son travail et qui protège mon enfant, qui l'accompagne et qui met en place tous les soins possibles pour lui venir en aide, à savoir qu'il est en grande détresse puisqu'il est maltraité et que ça accentue son trouble de l'attention, son hyperactivité, que je vois qu'il se dégrade, et que vous voyez, ils m'ont quand même remis quelques semaines après son arrivée à Sens une jolie belle photo de son lumineux visage à l'école à son entrée en CP. Je n'ai bien entendu pas le nom de son institutrice, ni même été invité à l'équipe éducative qui a eu lieu il y a quelques semaines à l'école, hein, bien qu'il me l'avait proposé, mais qu'à chaque fois, ils m'appellent et ils me disent « Ah ben, on n'a pas eu le temps de vous prévenir. Est-ce que Leroy a un médecin traitant, référent même ?» Eh bien, je ne peux même pas l'appeler à l'aide pour qu'il examine mon enfant et qu'il mette mon enfant en sécurité ou qu'il alerte le procureur de Sens ou d'Auxerre. Bien entendu, j'ai affaire à la justice parallèle. À Sens comme à Auxerre, ils ne vont pas bouger les procureurs, les juges ne vont pas bouger non plus. Là, j'ai donc fait appel de cette décision de replacement d'un an parce qu'en plus, ben, je vois bien qu'ils ne vont rien mettre en place et que ben, je n'ai que mes yeux pour pleurer et des tonnes de mouchoirs pour essuyer mes yeux. Ils sont en train de massacrer mon enfant. Mon enfant, il est salement abîmé. Donc, ils ont déplacé Madame Mouton au département. Ils ont mis Madame Marco au placard. Ils ont écarté Madame Lefaou, la psychologue. Bien entendu, il n'a pas de suivi CMP puisque la pédopsychiatre Dr Valerio s'est arrangée pour qu'elle ne pas le suivre. Et même, je l'ai eu au téléphone, elle refuse carrément de me proposer un rendez-vous. N'a pas trouvé utile de travailler le lien maternel et aider Leroy.
à part nous faire faire mille et un bilan qui dure depuis un an. Donc son prochain bilan, ça sera avec un neuropsy en juillet dans le privé. En attendant, il n'a aucune prise en charge avec un pédopsychiatre. Est-ce qu'il y a un pédiatre? Non plus. Est-ce qu'il y a un suivi? Non plus. Une psychomotricienne, je ne sais pas son nom. Voilà. Donc Leroy, ben, Leroy il se dégrade. Leroy, chaque fois qu'il m'est présenté aux visites, eh bien c'est comme pour sa sœur Stacy. J'achète de la vêture, j'apporte toutes sortes de choses pour lui. Et je leur ai fait remarquer plusieurs fois que à chaque fois, mon enfant, à part des coupes de cheveux, il l'emmène tout le temps chez le coiffeur. Il est toujours avec des vêtements d'autrui, des vêtements trop petits, des vêtements usés, des vêtements dégueulasses, que des chaussures dégueulasses, pleines de terre, et qu'à chaque fois que je leur dis, mais que ce soit un rendez-vous médical ou le tribunal, même très récemment, eh bien, j'ai encore amené, il n'y a pas très longtemps, une jolie paire de baskets pour Leroy. Hein. Eh bien, on lui a de nouveau refoutu des chaussures déchiquetées, sales. Ce n'est qu'un enfant placé. Ce n'est qu'un enfant placé et donné à un réseau parallèle derrière. Un réseau parallèle qui a infiltré tout le système et toutes nos institutions. Réalisez bien ce qu'il se passe. Moi, je n'ai rien inventé. Je ne suis pas complotiste. Nous sommes des milliers à dénoncer. Mais là où devrait être l'attention et le soutien, les plus dangereux et ceux qui expliquent les choses avec le plus de précision et d'informations possibles sont hautement censurés, saccagés, discrédités, écartés, salis, critiqués en permanence, peu soutenus, pas relayés. Je remercie d'ailleurs les lanceurs d'alerte qui dénoncent les abus sur les enfants, qui parlent de réseaux, de pieuvres, de tout ce que vous voulez. Beaucoup de victimes aussi qui me censurent. Donc des parents qui ont aussi des enfants dans ce réseau. Il faut dire la vérité. Il faut nommer les choses. Ça fait des années que je le vis. Je ne plais pas à tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je ne peux pas être en contact avec tout le monde, avec ce que je vis et ce que je porte et ce que je déplace. 13 années. À traverser ce réseau de la mort qui séquestre des milliers d'enfants. Le mien, les vôtres, les nôtres. Allez-vous me relier? Allez-vous reprendre mes vidéos? Allez-vous vous déplacer quand j'ai des audiences ou des convocations judiciaires pour me soutenir? Allez-vous être là où le besoin est pressant, constant? Ma tête est un cimetière d'enfants. Mais ma tête est là. Ma lucidité demeure. Je suis choquée, polytraumatisée. Mais je suis lucide. Je ne suis pas dangereuse, je n'ai jamais attenté à la vie de quelqu'un. Combien de temps je vais tenir? Sans avocat et sans soutien. Et lui, Leroy, combien de temps il va tenir? Je suis la seule à le voir. Il est très abîmé. Il souffre. Est-ce qu'il se rend compte de tout ce qu'on lui fait? Est-ce qu'il a mal? Il repousse même sa mère. On lui a arraché sa mère.
on a brisé son lien avec sa mère, son repère, son identité. Il n'y a plus d'affection chez Leroy. Il se dégage, il se débat, il s'enfuit, il m'esquive tout le temps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui a dit ? Ta maman n'est pas là parce qu'on a préféré reporter la visite, ou elle a préféré reporter la visite. Parce qu'elle ne veut plus de la TISF qui te met la main sur la bouche et qui te manipule et qui me manipule. Et que d'après ce chef du foyer, on refera le point dans 15 jours avec Madame Marco. Et vous, Madame la responsable, nouvellement nommée derrière Madame Mouton que j'ai eue hier, qu'allez-vous faire? Parce que vous m'avez rappelé, nous nous sommes appelés hier après-midi aussi. Et je vous ai évoqué toutes mes inquiétudes et l'état catastrophique de dégradation de mon enfant depuis... Encore très récemment, et là ça a été un choc terrible à ma tête, sur les... tous ces déplacements et de ces colonies, et ces lieux posent problème. D'ailleurs, Madame Marco m'a dit, avant l'audience, quand elle m'a appelé avec Madame la psychologue, le FAO, eh bien... Donc fait appel de cette décision de replacement de Leroy. C'est parti en cours d'appel. Mais croyez bien qu'ils veulent gagner du temps. Ils mutent tous ceux qui sont impliqués, qui dérangent. Chaque fois que c'est sensible et ça peut leur péter à la gueule, tout ce qu'ils sont en train de faire à mon fils, eh bien ils sont mutés. Donc j'alerte sur l'état de mon enfant. Il subit des choses horribles, Leroy. Je ne reconnais plus le petit Leroy. Ce n'est plus le petit Leroy. C'est un enfant multichoqué, très agité, très violent, qui se met aussi en danger. Et ils vont probablement proposer une structure psy. Projet du docteur Valerio du CMP, qui veut pas me rencontrer, qui veut pas suivre Leroy. Et vous, foyer, depuis tout ce temps, vous avez pas trouvé un pédopsychiatre en libéral, ou vous vous êtes pas orienté vers une consultation hospitalière, parce que dans ce pays, il n'y a pas de service pédopsychiatrique. Eh bien non, Leroy n'a pas droit à un suivi médical. Leroy n'est bon qu'à subir. Retenez. Leroy, Shahid, Leroy, martyr et témoin de la vérité, la seule vérité. Je suis sa mère, Sylvie Finger. Je n'ai pas le droit de me taire. Et je ne vous laisserai pas faire. Continuez à le détruire. Relayez ma vidéo et soutenez-moi de quelque façon que vous pouvez. Reprenez les vidéos. Faites-moi des dons pour que je puisse me déplacer. Cherchez-moi un avocat. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-nous. Aidez-les.